Bonjour à tous, j'ai eu Warhammer 40 000 Space Marine 2 gratuitement parce que j'ai acheté une AMD Radeon. C'était l'affaire commerciale. Donc on va le tester, tout le monde y joue. Je me suis dit, allez, pourquoi pas moi, puisque je ne l'ai pas payé, autant le tester. Ça va me permettre de tester la nouvelle configuration en stream. Et let's go, let's go, let's go. Nouvelle partie. Alors, affichage du casque désactivé, j'imagine qu'on pourra le changer. Français, français, sous-titres activés. Fond des sous-titres. Non. Visibilité de l'orateur. Ouais, ça sera plus facile à vous, pour vous poursuivre. Taille des sous-titres par défaut. Sous-titres, sous-titres des dialogues d'ambiance. Activé. Ah oui, si, on va activer. Sous-titres. Oh, on va tous les activer, c'est rigolo, non? J'ai envie de tous les activer. Affichage, intensité de flou de mouvement par défaut, calibrage de la luminosité, ok. Audio, ça a l'air ok. Sensibilité, on verra en jeu. Oui, bon, d'accord, suivant. On va jouer. Alors, équilibré pour profiter au mieux de l'histoire. Les ennemis sont moins agressifs. Santé et blindage fortement augmentés. Normal, propose un défi équilibré. Les ennemis sont moyennement agressifs. Une bonne gestion des ressources est indispensable. Vétérans constituent l'expérience authentique. Les ennemis sont dangereux. Les initiatives tactiques et le talent seront récompensés. Les anges de la mort présentent une véritable difficulté. Les ennemis sont plus puissants et plus agressifs. Il sera beaucoup plus dur de récupérer d'une erreur. Je vous propose qu'on joue en normal parce que c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue habituellement. Donc j'aime autant ne pas me rendre la vie impossible. Au 41e millénaire, l'humanité se trouve au bord de l'extinction. L'impérium de l'humanité, s'étendant à l'échelle de la galaxie, est assailli de tous côtés par des aliens hostiles et menacés de l'intérieur par des traîtres et des hérétiques. C'est un état de guerre constant, une nouvelle ère sombre où la superstition, la rhétorique et la prière aveugle se sont substituées à la spiritualité. Vivre à cette époque, c'est être seul parmi une multitude d'anonymes, sous le régime le plus cruel et sanglant imaginable. Au rang des défenseurs de l'Imperium, les plus puissants et redoutés figurent les Space Marines, des guerriers surhumains augmentés génétiquement. Ils représentent le dernier rempart de l'humanité contre la terreur. L'heure n'est pas à la paix, il n'y a aucun répit, aucune rémission. À l'horizon des funestes ténèbres, seule la guerre se profile. Cinématique. Ah mais attendez, il faut que je regarde sur le stream comment ça rend. Et ça a l'air bien, hein. Ça a l'air fluide. On va voir in-game. Eh, incroyable ça. Incroyable quand même, je dirais même. Allez, j'arrête de parler pendant la cinématique. Hop. Hop. On est envahi par des extraterrestres, c'est ça? Thank you.
Oula. MDR, les drops, il y a des drops? Merde. Commandant de la Kitima Squad, test box. Beaucoup? Ou ça, j'ai vu que ça a frisé. Ah, les. D'accord. Ah, ok. Bah, écoute. Super. Et bah t'auras des cadeaux. Ah, j'ai cru que tu parlais de qu'il y avait des drops d'images. Ah, j'ai eu peur. Ouf ouf ouf. Alors je bouge un peu vite fait voir en stream comment ça rend. Bla bla bla. Déplacer la caméra, ok. Bah ça a l'air nickel, ça a l'air de tourner. Je ferme Google. Tac. Hop là. Alors. On peut pas sauter. On peut sprinter en restant appuyé sur espace, ok. C'est très joli. Appuyez sur Tab pour afficher vos objectifs et le statut de votre mission. Spectacle prometteur. Alors, description de la mission. Une flotte ruche tyrannide a envahi la planète Kadaku, menaçant ainsi un projet de niveau alpha connu sous le nom d'Aurora. Accédez au silo orbital pour procéder à la détonation d'une bombe virale dans l'atmosphère afin de contrer l'invasion tyrannide. Let's go. Alors, quand est-ce qu'on fait la bagarre? Appuyez sur le clic droit pour une attaque légère. Oh, j'ai une tronçonneuse. Ok. Survie. Les dégâts réduisent votre blindage. D'accord, c'est ce qui est en dessous de ma jauge de vie. J'ai déjà pris deux coups. Merveilleux. La santé perdue récemment peut être récupérée en infligeant des dégâts. La ligne blanche indique le montant maximal de régénération. Ok. Donc on a déjà pris deux coups de blindage. Ça s'annonce bien. Ah, on les a récupérés. Est-ce qu'on les récupère progressivement, j'imagine. Sprinter. On a soit la touche espace, soit la touche shift. Combinaison des P tronçonneuses. Attaque lourde, maintenez clic droit pour terminer une combinaison d'épée tronçonneuse par une attaque lourde. Plus la combinaison est longue, plus l'attaque lourde sera puissante. Approche tactique, utilisez des attaques lourdes contre d'importants groupes d'ennemis. C'est marrant, clic droit, moi j'ai envie de cliquer sur clic gauche. J'ai perdu tout mon blindage.
Appuyez sur C pour parer. Ah oui, c'est bien de l'apprendre ça. Les attaques normales et les attaques avec un indicateur bleu peuvent être parées. Parade parfaite. Les parades parfaites exécutées tuent instantanément les ennemis de petite taille pour et font chanceler les ennemis plus grands. Très bien. Ok. Moi j'ai l'habitude des jeux où on peut esquiver. Ah si, on peut esquiver. Ok. On appuie une fois sur espace, on peut esquiver. Raté. Je rate ma parade. C'est bon, j'en ai eu. Au secours. Ah, faut que je le fasse trois fois. Aïe! J'avais pas vu qu'il en restait un derrière. Ouais, explosion. Attention, T. Oula! Qu'est-ce que c'est, ce truc? Duel. Appuyez sur S. Passe pour esquiver les attaques avec un indicateur rouge. Ces attaques ne peuvent être parées. Verrouillage sur l'ennemi. Appuie sur X pour verrouiller la caméra sur les ennemis les plus grands comme les guerriers tyrannides. X. Merde. Je rate mes esquives. Ah, j'aurais pu parer. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'apprenne à parer. Non, pas vers l'avant. Je vais mourir sur le tuto. Oh là là, c'est catastrophe. J'ai pas l'habitude de ce genre de jeu. Je suis dead. Ah, ça se voit que c'est pas ma zone de confort, hein. Je suis mort sur le tuto. Mes frères, la guerre vous appelle! Répondrez-vous! Oui. Mission annulée, blessure critique. Je recommence où? Je recommence là, très bien. Oui! J'ai compris. Ok. D'accord. Paf! Ok, ok. On va apprendre, hein, bien sûr. On va apprendre, ça va le faire. Nickel. Esport! J'ai raté ma parade. Au secours! Ok. Alors attendez, avant que le grand méchant arrive, on va attendre que notre blindage revienne. Il y a plein de sang, oui, il y a plein de sang, désolé. C'est contenu Peggy 18. Alors c'est X pour verrouiller. Faut attendre qu'il arrive. X pour verrouiller, oui, 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 oui. Alors ça, faut faire gaffe. Ah, faut esquiver après le premier coup. Exécution E. Voilà. Lorsque un ennemi est neutralisé, appuyez sur E pour porter un coup de grâce pour récupérer du blindage. Ok. C'est chose faite. Interagir. On peut aller à gauche, non? Est-ce qu'il y a des trucs à looter? Est-ce qu'il y a des trucs à looter dans ce genre de jeu? Je ne sais pas. E. Tout faire péter. Paf.
peut aller là. C'est profond ici. Ah, on peut pas aller plus loin. Il y a des ronces. Oula, c'est plein de cadavres ici. Ah, il y a un pote. Mon frère. Oh non, il est mort. Oh non, Darius, je prends ton pistolet. Merci beaucoup. Ce bolter rugira en votre nom, Darius. J'en fais un serment. Ok. Oh là là, faut que je m'habitue à la 106. J'ai 108 balles. Non, pas encore. Boîte de munitions. Superbe. Je suis full. Je crois, hein. Ouais, je suis full. Est-ce que je peux recharger? Ouais. Ah, je peux pas? Je suis pas full. Voyons voir. Alors, est-ce que c'est bon plan de se battre à distance? Tir réflexe. Affaiblir l'ennemi. Maintenez pour repousser des ennemis de petite taille et les marquer afin d'effectuer un tir réflexe. Appuyez sur le clic gauche pour réaliser un tir réflexe sur un ennemi marqué. Prendre l'avantage, les tirs réflexes tuent instantanément les ennemis de petite taille et infligent des dégâts importants aux ennemis plus grands. Oh là, ça va être tous des réflexes à prendre, ça va être terrible ça. Eh bâtard! Ok. Ça m'a rendu de la santé. Pourquoi j'ai eu une croix au-dessus de la tête? Ah! Oui, le seul loot qu'il y a, c'est les munitions en fait, pour l'instant. En tout cas. Ok. Je suis full. J'ai pris un coup. Ah mais on me tire dessus! Le mec se réveille 3 ans après. Dégage toi. Merci bien, il est mort. Ça explose, ça. Sans doute. Ok. Nous allons manquer de temps. Oh non. Localiser les restes de l'appareil. Hop. Qui me tire dessus? Où ça? Où ça? Là-haut? Je le vois pas. Aveugle man. Ah là. Superbe. C'est quoi cette espèce de barre là au-dessus? Ah mais il y a encore des potes qui sont morts.
Non. Terrible. Ah ouais, il y a encore des potes qui sont morts. Ah non, il est pas mort. Si? Non, il est mourant. Ah si, il est mort. Je récupère ça, mon pote. C'est la bombe virale? Sans doute. Hop, dans mes fesses. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est très vilain ça. Laisse le pote tranquille. Oh non, il est mort. Merde. Merde. Ah! Je crie alors qu'il y a Gabian au téléphone. Au secours. Ok. Le first try est miraculeux. Oula. Bah ça va peut-être pas attendre un first try que ça. Mort évidemment. J'ai encore, je suis un peu confus dans les touches encore, mais ça viendra. Souvenez-vous des noms de ceux qui sont tombés, souvenez-vous de leurs exploits, leurs sacrifices honorent notre chapitre. Une fin de Gilliman. Ok, on recommence. Laisse le pote, laisse le pote. X. Ah! Vite, tire dessus. Aïe, aïe, aïe. Je vais crever. Exécuter. Paf! Oh, les parades, j'y arrive pas, hein. Encore. Pas tout à fait ça, hein. C'est catastrophique. Je suis nul à chier. Les petits, j'arrive à voir encore. Au secours, il me bouffe les fesses. Je fonce dedans, je fonce dedans. Secours. Il est mort le petit, rassurez-moi. Non, il est pas mort. Ah, mais je clique droit pour esquiver comme un idiot. Alors que c'est taper la dissonance cognitive. Les forces de l'Impérium ne connaîtront la paix que lorsque cette galaxie aura été purgée jusqu'au dernier xéno. Je vais y arriver, je vous le promets. Il vient une première fois à tout, hein. Est-ce que ça lui fait des dégâts quand on tire dessus pendant la cinématique? Appuie sur C, couillon! J'appuie sur V. J'appuie sur V! Non mais, c'est catastrophique. J'ai zéro life. Mais je peux exécuter. Je vais mourir. Alors c'est bien. Alors je viens de commencer. Et je fais que mourir. Mais le jeu tourne en tout cas, donc c'est très bien. Ah mais c'est vrai que... il esquive. Aïe! Quand je pars, il part que le premier coup, pas le deuxième. Oh non, défaite. Comment tu vas?
Ça tourne bien, il n'y a pas de drop ni rien. Moi, il y a zéro image perdue, on me dit. Hein. La faiblesse n'appelle qu'à une seule. J'ai pas eu le temps de dire. Bon, ça fait 5 fois qu'on essaye là. Non, je rigole, ça fait que 4 fois. Fatigue, mais ok. Ah, d'accord. Bientôt le week-end, courage. Tiens, prends ça, bâtard. Aïe! Attention, ça, on peut pas parer. Aïe. Eh, j'ai appuyé sur C, wesh. Ah, mais il me fait mid-life quasiment. Aïe, aïe, j'ai appuyé sur esquive pour esquiver, il esquive pas. Vite, exécute. Non, on perd pas de frame. Cool. Je vais crever encore une fois. Faut que je les bute au pistolet. Hein. Faut que je les bute de loin. Non, pas du tout en fait. Ok. C'est bon! Il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Ah, au bout de 10 fois, on a réussi à passer, c'est super quand même! Il y avait quelqu'un dans le trou de la cave. Merde! Ah la salope! Le mec, il peut être d'Elden Ring, du coup, il lance un jeu plus dur. C'est plus dur qu'Elden Ring? Je me disais que c'était trop calme, tu m'étonnes. La garce. T'en chies plus? Bah écoute, j'ai eu le jeu gratuit, je me suis dit je vais tester. Tout le monde y joue, pourquoi pas moi? Mais on fera le Elden Ring aussi en stream, hein? No worry. Mais c'est sûr que les esquives, c'est que des petits pas de côté, quoi. Maintenez pour briser grâce aux attaques lourdes. C'est vrai que j'utilise jamais les attaques lourdes. Oh là, ça explose partout. Oh non, un gros monsieur. Ça veut dire qu'il a une armure, j'imagine. Au secours. Pourquoi il tape derrière? Je voudrais bien le savoir. Paf. Ok, je suis concentré à max. Ah! Qui me tire dessus? Toi? Je recharge. Oh! Ah, je peux l'exécuter. Waouh! Pourquoi pas toi? Parce que tu mets le tag cringe sur ton live. Bah ouais! C'est pour annoncer la couleur. Quel est le problème? Alors si je sprint, on ira plus vite, je pense. Et on a réussi du premier coup cette phase de fight, c'est quand même pas mal, non? C'est pour s'auto-déprécier, quel est le problème? Non, mais je sais jamais quoi mettre comme tag, il faut bien mettre des tags, non? Non, mais c'est pour la blague, GG, merci. Trouver le silo orbital. Des munitions. Ah, c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Rechargeons. Pouf. C'est toujours pour la blague, pas d'excuses. Mais je sais pas quoi mettre comme tag. C'est difficile de savoir qu'est-ce que c'est que ces trucs. Oh non! Oh super, une grosse arme. Merci pour ton fusil bolter. V pour basculer. Ouais.
c'est une bonne excuse l'humour, dis donc. Eh ça va, c'est... ça aurait pu être de l'humour oppressif. Je me dirige vers le silo orbital. Je mets de la merde en général, mais je pense pas être en position pour jeter des conseils. Aïe! Mais super, je regarde un peu ce qui se passe et je me fais tirer dessus, merde. Mais dégage. Je peux zoomer. Ah super, je tire sur le mur. Jolis impacts. Mettons-nous à couvert. Je peux faire exploser. Paf! Ah non. Paf! Superbe. Après, j'avoue, j'ai jamais recherché cringe comme tag pour trouver un live. Non, c'est sûr. Je me doute. Maintenez pour grossir votre vue. Ouais, je viens de voir. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Plein de petites merdes. Plein de petites merdes qui courent vers moi. Paf, paf. Venez, je vais vous faire exploser. Paf. Non, tu restes où tu es. Toi aussi. Oh non, il y en a un qui est venu jusqu'ici. Les titis, là, ils sont réveillés. Comment ça, les titis? C'est quoi, les titis? Cache de munitions. Superbe. J'ai pris les munitions. Tyrannids 8 Appreciation Day. Oui, ils sont réveillés. Dans le doute, on tire dans le tas. Non. Oh, ça c'est bien. Ok. On peut aller derrière ou là-bas. Derrière ou là-bas. Là-bas, j'imagine. Ah, mais il y a quelque chose ici aussi. Des munes, je suis full. Faut que je fasse le truc et tout pour te donner la clé, la deuxième clé que j'ai. Hein. Je ferai ça. Un boss? Non, plein de petites merdes. Merde, j'ai pris un dégât. No worries, no rush. Comme ça, on peut jouer en multi en plus. On pourra jouer ensemble, ce sera trop bien. Merde, je me suis trompé. Je voulais appuyer sur X et j'appuie sur C. Au secours! Attendez, attendez. Laissez-moi reprendre mes esprits. Je vais mourir. Attendez, il faut temporiser pour récupérer le blindage. Je vais mourir. Et ouais, il y a de la coop. C'est bien, non? La faiblesse n'appelle qu'à une seule réponse. La miséricorde de la mort. Cette pitié est la seule que nous puissions accorder. Trouver le silo. Ok. On recommence où? C'est là qu'on est mort? Non, c'est pas là qu'on est mort, si? Ah, si. Cassez-vous tous! Je tape partout sauf sur les vilains! Viens là! Oula, 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 oula! Merde, j'ai appuyé sur C pour esquiver l'autre débile! Et. Je suis coincé dans le mur. Ciao. Vite, vite, je suis coincé dans le décor. Oh, c'est catastrophe. Attends, j'ai du monde sur le serveur. Ok, bisous. Temporiser égale taper dans le vide. Tout à fait. Oh non, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Ok, on va y arriver. Hein. Au bout de 10 essais, je pense, mais on va y arriver.
Est-ce que je peux rester appuyé? Ouais, je peux rester appuyé. Oula, j'ai appuyé sur X au lieu de C, mais ça a marché. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Paf, tu te calmes, toi. Oula! Voilà, je suis coincé dans les caisses. On va lock le gros vilain. Genre. Ah! Ah! Oh, au secours! J'aimerais bien qu'il meure. Au secours, je vais mourir. C'est bon, j'ai récupéré du blindage. Ah. Ah. Aïe, aïe, aïe. On était presque là, hein. Et on a survécu plus longtemps. Je vais y arriver, je vous le promets. Croyez en moi, s'il vous plaît. Soyez patient. Ok. Faut que je tire plus. Je suis trop dans le corps à corps. Faut que je tire plus. Recharge. Non. Aïe! Tout mon blindage! Ça suffit. Ok, on a tué tous les trash mobs déjà. Déjà. Ah oui, c'est vrai. Il est immunisé. Merde. Ah! 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 Ça suffit. Merde, j'ai pas paré. Tire-lui dessus! Ah! Merde. Merde, merde, non, je veux pas mourir si proche du but. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y en a d'autres qui vont venir, pour sûr. Non? Oh là là. J'ai réussi. C'est quand même merveilleux, ça. Explorons. Moi, j'aimerais bien des munitions. Est-ce que je peux rentrer dans la petite tente? Non, je suis trop grand. Excusez-moi. Ouvrez les portes. J'ai plus de mun. Attends, celui qui nous tire dessus d'abord. Non, il est mort, ça y est. Je sais pas. Paf. Trouvez le silo. Nous avons trouvé le silo. Toi, ça dégage. J'interagis. Ça y est, on va tout faire péter. Trop bien. Nouvelle bénédiction. De l'autorisation en cours, avec de la trajectoire pour une détonation stratosphérique. Le rite de préservation doit être accompli. Cherchez un autre magos accrédité sur la console de commande.
C'est quoi un magos? Localiser la console. Elle est là? Elle est derrière. Yeah. Je veux bien les munitions. Merci pour les munitions. Qu'est-ce que c'est, grenade? Je veux bien les grenades. C'est G pour lancer des grenades. Je regarde s'il y a derrière, on sait jamais. Je tire partout sauf sur eux. Mais c'est vrai que j'ai des grenades, faut que je jette les grenades. Casse-toi. Casse-toi, te dis-je. Plus de mun. Au revoir. Oh là, je sais pas viser. C'est catastrophe. Il est pas mort. Non mais si je zoomais aussi. On peut avoir que 3 grenades, ça c'est dommage. Lancer une grenade, bah oui mais tout le monde est mort. C'est un peu bête. Attends si. Paf. Ah super. Merde. Casse-toi. Je tire partout sauf sur lui, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Pouf! Il est où? Je crois bien qu'il est mort. On va reprendre des grenades. Merci. Let's go. Eh ça va, on galère pas tant que ça. Il y a des... Quand il y a des gros monstres, faut réessayer 4 fois, mais sinon ça va, non? C'est correct. De toute façon, je sais pas si on fera le jeu entier. Hein. Je joue, mais depuis tout à l'heure, je suis pas du tout les dialogues. Hein. Au bord de la plateforme d'observation. J'en doute. J'en doute. Alors, il peut y avoir des méchants là, pour sûr. Waouh! Waouh! C'est quoi les prières de chargement? Merde. Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser toutes mes munitions sur eux? Je vais mourir. J'ai peur. À l'aide. Je vais jamais survivre. Je tire sur la rambarde, c'est merveilleux. Ils viennent d'où? Ils grimpent. G. Paf. Encore. Aïe, bâtard. Oh non, il y a un gros. Merde. Il a baisé tout mon blindage. J'appuie sur V au lieu d'appuyer sur... C'est au secours, Léna. Oh là là, je vais mourir. Je peux plus esquiver. Oh non, c'est catastrophe. Ok.
Mes frères, la guerre vous appelle, répondrez-vous? De Capitaine Kato Sicarius, des Ultramarines. On y retourne. Alors, j'active. Pourquoi on n'entend plus les dialogues? Je sais pas si ça sert à quelque chose de tirer dessus, y'en a tellement. Y'en a tellement. Au secours. Ça grouille, je déteste. Je n'aime pas ce moment. Faut que je jette une grenade. Ils sont tous partis. J'appuie sur F. Superbe. Oh non, j'ai jeté. Faut que j'attende vraiment. Ah, j'ai plus de grenade. Au secours, j'appuie pas sur les bonnes touches. Ah! Au secours. Tout va bien. Je vais jamais survivre. Oh là là, c'est catastrophe. J'appuie sur V. Oh, j'appuie sur V au lieu d'appuyer sur C. Avec mes petits doigts potelés. Vite, tue-le. C'est catastrophe. C'est bon? Non, c'est la bombe. Vite! J'ai gagné le jeu? Je crois que j'ai gagné le jeu. Eh bah c'était dur hein. Et pourtant on joue que en normal. C'est fait. La grosse bagarre. Ah non, je vais mourir. Attendez, non, non, et je joue, c'est ça? Au secours, j'ai allé boire. Bon, ça va. J'ai peur. Ah si, si, je joue. Vite. Attendez, mais j'allais boire, c'est pas juste. Qu'est-ce que c'est, tous ces petits trucs, ça? C'est des rats? Je sais pas si c'est des vilains ou pas, mais non. Doute. Oh non, il y a un vilain. Ah mais non, mais je n'ai plus de vie. Je vais forcément mourir. C'est scripté que je meurs. J'imagine. Ouais, mais on va faire l'effort de jouer. Ça va nous entraîner.
Oh non, il y a deux méchants, deux vilains. Deux vilains pas beaux. Alors déjà, un, je galère, mais alors deux... C'est la fin du monde. Arrête, arrête, je suis dans le coin. C'est catastrophe. Mais non, mais je veux esquiver en appuyant sur clic droit. C'est complètement stupide, cette histoire. Bon, déjà, toi, je veux tuer le petit. Voilà, merci. Non, en fait, je peux pas mourir, justement. C'est mieux. Je préfère ne pas pouvoir mourir que mourir. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est peut-être une hot take, hein. C'est bon? Non, c'est pas bon. Oh, il y en a plein. Je peux pas leur tirer dessus. Paf! Oula. Ah, j'ai plus de munitions non plus. C'est l'infini. Ah, il est immunisé aux dégâts, lui. Enfin, aux dégâts, aux tirs. Ah! Aïe, aïe, aïe. Arrête de me faire mal, c'est pas gentil. Aïe. Ok. Oh non! Eh bah c'était sûr que j'allais mourir. Oh là là. Heureusement que Gabien Gris regarde pas. Hein. Bon, on a lancé la bombe, hein, c'est le principal. On a sauvé le. On a sauvé Kadaku. 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 Voilà, le jeu est terminé. Merci à tous. Fin de l'histoire. Oula, le stream a. Ah non. Si. Il y a eu un freeze, j'ai l'impression, sur OBS, mais j'ai pas d'image perdue. Étrange! Orbite de Kadaku. Ah non, je suis en vie. Ah, on m'a décapité. Il fait peur, lui. Loué soit l'empereur. Le chapelain. Votre blessure était fatale. C'est la chirurgie Rubicon qui vous a sauvé la vie. On vous a reconstruit. Vous êtes un primaris, désormais. Pourquoi? Le seigneur Khalgar a donné l'ordre en personne. Il est là? Non. Le primarque l'a convoqué. Je dois retourner à la forteresse du Guet. Vous avez été réaffecté. J'appartiens à la Death Watch. L'Inquisition n'a décelé aucun vice en vous, Titus. Accusé d'hérésie, vous avez fait pénitence dans la Death Watch pendant près d'un siècle. Et vous n'avez pas failli une seule fois. Mais vous ne connaîtrez jamais la rédemption avant d'avoir affronté le jugement de vos frères. Faites enfin vos preuves et vous serez parfaitement absous.
qu'est-ce que j'ai fait? Wow! Quelle main! Sectaire tout ça quand même, hein. Warhammer 40 000 Space Marine 2. Superbe. On a fait le tuto. Les dés sont jetés. Vous a reconstruit et vous êtes devenu un Primaris. Vous êtes désormais plus fort, plus rapide et plus résistant. Ah ça, ça me fait plaisir. Prendre votre place au sein des Ultramarines. Vos frères sauront que vous avez servi dans la Death Watch. Mais la mention déshonorante de votre statut de bouclier noir a été effacée des archives. Et si cela venait à se savoir, cela n'irait pas sans soulever des interrogations. Le seigneur Khalgar vous a offert une seconde chance. Ne la gâchez pas. Il aurait pu me donner une armure neuve quand même, elle est toute dégueulasse. Je peux pas le taper. Pas aller derrière lui. Les gardes impériaux en sont qui, mon frère? Mon frère? Oh, t'es tout petit, toi! Cordanus, on a du travail. Réunissez le reste des squads sur le pont. Oui. Ça va, ça chill? Ok. Se rassembler. J'interagis. Ah oui, se rassembler parce que normalement, quand on a des amis, on joue à plusieurs. Non, mais j'ai des amis, mais ils ont pas le jeu. Faire votre rapport au capitaine Acheran. Acheran, 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 Acheran. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Petit robot? C'est une flamme. Astartes. Je ne connais pas du tout le lore de Warhammer. Monseigneur, lieutenant Démétri Altitus au rapport. Appelez le sergent Gadriel sur le pont. Et vos blessures? Ça va mieux. Je vais être franc, Titus. J'émets des réserves quant à votre réintégration. Mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour être... Des questions, des doutes. L'heure n'est pas à la discorde entre mes hommes. Pas maintenant. Vous êtes lieutenant désormais. Ce ne sera pas un problème? Non, capitaine. Très bien. On affronte une flotte ruche de tyrannides. Ils ont attaqué sur deux planètes. Abarax, un monde ruche, et Kadaku, que vous connaissez déjà. On abandonne Kadaku. Ce sont des installations de recherche de l'Adeptus Mechanicus. Super, j'ai fait tout ça pour rien. Le matériel et le personnel critique. Ces canons de défense veillaient à la circulation de nos vaisseaux. Les tyrannides l'ont bien remarqué. Rendez-vous là-bas et protégez ces canons. Capitaine, vous m'avez demandé. Sergent, voici le lieutenant Titus. Il prendra les commandes de votre escouade. Chef, je... Soyez sur le terrain dans 30 minutes. Allez, grimpez. Gadriel est plus classe que nous, hein, quand même. Ok, Gadriel. Pardonnez mon hésitation. Je ne
m'attendais pas à une telle tournure des événements. Moi non plus. Salut. Sergent Gadriel, l'absolveur est prêt pour le départ. Frère Chiron, voici le lieutenant Titus. Il va prendre la tête de notre escouade. Ah, vraiment? Ah, vraiment? Je me réjouis d'avoir un commandant si expérimenté. Le reste de l'escouade est prête. Elle est déjà réunie sur le pont. Alors, let's go. Partons immédiatement. Modifier l'escouade. Les parties en ligne sont désormais disponibles. Invitez des amis dans votre escouade pour jouer avec eux. Utilisez la carte de bataille du Stratégium ou de la baie de lancement pour modifier le mode de jeu actuel. C'est quoi alors, escouade? On peut inviter des gens? J'imagine. Menu d'invitation. Votre code. Ok. Je vous donnerai un code à Wit d'Origin et peut-être qu'on jouera ensemble. Let's go. En attendant, je joue avec Gadriel et Chiron. Ils sont sans doute ultra sympas. Quelle est notre mission? Les Cadiens ont perdu le contrôle des canons orbitaux. Nous devons les recapturer. Ils les ont déjà perdus. Les tyrannides lancent des vagues entières de spores vers ces canons. Je suis impressionné que les Cadiens aient tenu si longtemps. C'est impressionnant comme hangar. Alors, vous allez devoir apprendre. C'est mon vaisseau ? Waouh ! Bonjour ! Bonjour. Ah, ils n'ont pas de visage. Montez à bord de l'aéronef. Ciel de feu, le retrait de Kadaku des troupes et des éléments impériaux est menacé. Les batteries de défense assurant la supériorité aérienne sont attaquées par une importante force tyrannide. J'ai pas le temps de lire. Chef, vous avez servi dans la Death Watch. Oui. Oui. Ça a dû être un grand honneur. C'est quoi la Death Watch? C'est un privilège de servir avec vous. Arrête de me sucer, par pitié. Eh B. Il n'est pas primariste de naissance. En effet. Mais c'est quoi un primariste? Il commande à votre place. 200 ans. Quelle vie de merde de faire la guerre pendant 200 ans. J'aimerais pas être à sa place. Oh, il va mourir random. Vénère la dame. Hein. Monseigneur. Major Sarkana, 8e régiment Cadien. Major, faites-moi un rapport. Ces maudites créatures ont pris les canons orbitaux.
Elles nous ont repoussés jusqu'à ce camp et préparent leur assaut final. Lyreo, prenez Altareus et Elyon et restez ici pour protéger le camp. Oui, mon frère. Major, il faut atteindre les canons de défense. Oui, monseigneur. Suivez-moi. J'en viens pas. La situation s'est détériorée. Infâme gargouille. On envahit le ciel. Les canons orbitaux sont aux mains des tyrannides. Oui. Oui. Ces attaques incessantes rendent toute forme de riposte difficile. Je peux pas courir. Oh, mais je suis en retard, attendez-moi! Elle est toute petite! Je suis si immense! Let's go. À l'est alors? C'est par où? C'est par où l'est? C'est par la droite bien sûr. Appuyez sur Q pour passer en mode fureur. Vos dégâts et votre durabilité s'en trouvent accrus. Les attaques au corps à corps vous rendent de la santé. Q? Q dites-vous? Il est où Q? Bah non. Ah bah... Ah j'imagine, oui. Ah oui, effectivement, je suis beaucoup plus fort. Ah d'accord, et au centre de l'écran, là, vous voyez pas? Ah si, vous voyez un petit peu. Là où il y a la tête de mort avec l'épée, et ben c'est ma jauge de fureur. J'ai pas suivi, qu'est-ce que vous avez dit? Stimulant médical, ces stimulants rendent rapidement une petite quantité de santé. Okay. Je crois que j'étais full life, mais... C'est comme si c'était fait. Est-ce qu'on peut tirer sur les gens sans faire exprès? J'imagine que oui. A chaque fois, j'appuie sur clic droit pour zoomer. Enfin, pour viser, alors que pas du tout. Ça n'a pas de... Ah! Au secours. C'est catastrophe. C'est catastrophe s'il se passe. On mord les fesses là. Paf. Plus de mune. Oh non 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 non, ils sont deux gros monsieur. Aïe. Ah j'ai appuyé sur V je crois, non? C'est probable. Exécuter. Petit réflexe sur les ennemis. Oui, oui, d'accord, 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 d'accord. Lui aussi, je peux l'exécuter. Super, bravo les potes. C'est bien, il tue tout à ma place. Ça fait plaisir. J'ai déjà des grenades. Faut que je pense à utiliser les grenades. Qui me tire dessus? Ça va pas le faire. Rechargement en cours. Non mais au bout d'un moment faut y aller hein. Non mais j'ai rechargé alors que... Non c'est bon, j'étais pas full mune. Vite pendant qu'il nous tourne le dos. Arrête d'appuyer sur V par pitié, je t'en supplie. Non mais faut esquiver au bout d'un moment, faut faire un effort en fait. Est-ce que je peux utiliser ma jauge de fureur? Non, faut vraiment qu'elle soit remplie. Exécuteur. Je me suis dit peut-être que si elle n'est pas remplie, elle dure moins longtemps, je ne sais pas, mais non pas du tout en fait. Si elle n'est pas remplie, elle n'est pas remplie. Qui me tire dessus? Attention. Brûlez, créature infernale.
Ah super, c'est les potes, la frappe aérienne. Cool. Eh ben on n'est pas mort, ça c'est quand même merveilleux. Eh ben j'ai pas fait grand chose. Nous devons traverser la jungle jusqu'au canon de défense orbitaux. Frère Liméo, aidez les Cadiens à établir des lignes de défense, puis revenez au rapport. Oui, lieutenant, ce ne sera pas long. À ma jauge de furet au max. Superbe. Les canons orbitaux sont situés de l'autre côté du marais. Utilisons-la. Avec modération. Épée tronçonneuse. Une arme de corps à corps, bah j'en ai déjà une, non? C'est sans doute de là que vient la nuée. Ces carapaces. Ah non, j'en avais pas une. Yay. Exact. Exact. Leur capsule. Tout est vivant. C'est dégueulasse. L'existence même est une hérésie. Nous devons réduire leur nombre sans tarder, mon frère. Encore une épée tronçonneuse. Plaque de données, un journal audio pouvant être lu et écouté sous forme de plaque de données. Essayez d'atteindre le Storm Talon abattu. Le marécage peut être atrocement. Certains d'entre nous ont coulé dans ces bassins stagnants. Étendue de l'infestation tyrannide encore inconnue. Les derniers relevés indiquent que Kadaku était pour... Je prends ça. D'accord, je m'immobilise pas. Petit. Rechargement. Quoi? Oh le bâtard, de rôdeur. Non, non, arrête, par pitié, arrête. On tue le rôdeur, il est trop chiant. Au secours! Peut-être qu'il est temps de se mettre en fureur. C'est bon, il est mort. Trop lent. Bravo les potes! Vous êtes trop forts! Attendez, il y avait des munitions, je crois, non? Ou j'ai rêvé? J'ai peut-être rêvé. Je crois que j'ai rêvé. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des grenades, mais j'ai... Oh, mais non, il y a des trucs! Une épée tronçonneuse et des munitions. Je suis full. Non. Superbe, ça! Allons-y, Gadriel! Grenade frag envoyée, nous dit-il. Kéron. C'est Kéron qui a dit ça, je crois. Qu'est-ce que c'est? Des munitions. Je me ravitaille! Et si je peux les avoir de loin, hein? Moi ça m'arrange. Il est mort? Waouh! Bravo les potes! Superbe! Et bah quand on est accompagné, ça se passe tout de suite mieux, je trouve! C'est parce qu'on est un. Primaris aussi. Ça, hein? Je crois. Je crois que c'est ça. Bref, la plante dégoûtante. Et on est toujours sur Kadaku là. Ça ressemble beaucoup en tout cas. Connaissez-vous bien cette menace, mon frère? Très bien. En quoi les tyrannides sont différents? Droite ou gauche? Ils constituent un incessant fléau, mais ils sont rusés. L'influence de l'esprit ruche leur permet d'agir à l'unisson.
On a soit un lourd, soit un normal. On va prendre le lourd, hein. Mais mes potes aussi, ils ont une jauge de vie, je viens de capter. Allez, let's go. Prudence, les spores explosent lorsqu'elles détectent une menace proche. Dans ce cas, nous allons prendre les devants et les détruire. Paf! Super. J'ai bientôt plus de munitions, ça craint du cul. Non mais je vais laisser les potes leur tirer dessus. Peut-être pas en fait. C'est quoi ces trucs qui roulent? Ah c'est des branches. Attaque imparable, oui ça je sais. J'ai capté. J'ai plus de mun. En effet. En effet. C'est bien les potes, ils tuent tout le monde. Merci à vous. Et des munitions dans le coin? Oui. Ça c'est cool. Merci. Ravitaillement en cours. Gadriel, t'es plein de sang. 2 secondes. Un petit bot. On va ban. Paf. Je ban. Utilisateur suspect. Ouf. Attendez. J'étais en train de ban. Parce que je crois pas qu'on puisse mettre le jeu en pause. Ah si. Est-ce vraiment une bonne idée de tout faire au flingue? J'ai envie de dire. On s'en fiche un peu, non? Chacun joue comme il veut. Qu'est-ce que c'est ces trucs? Et qu'est-ce que... Oh non, un rôdeur. Saloperie. Il m'enchaîne. Il m'enchaîne. On tire dessus. Ah, aidez. C'est... Ah, il était temps d'utiliser sa jauge de fureur, je crois. Oh, merci le pote. Ah! Oh le pote il m'a sauvé. Et un rôdeur de moins. Qui réflexe sur les ennemis? Qui me tire dessus? Où ça? Tu tires sur qui, Gadriel? Dis-moi tout. C'est bon? Ils sont morts? Je crois bien qu'ils sont morts. Moi, je recharge! Superbe. Kéron. C'est Kéron, hein, ça? Pas encore cerné leur voix. Super, rien. Le chemin le plus direct traverse les marais. Allons-y. Allons-y. Ces marais sont infestés de Xenos. Il y a un bunker qui enjambe l'île de la rivière. Nous allons passer par là. C'est par là alors. Considérablement. Je suis sûr que nous ne sacrifierons pas la tactique au profit de la vitesse. À vos ordres. À vos ordres. Gadriel, je te trouve bien un peu présomptueux. Compris. Fusil Bolter Stalker. Très puissant, muni d'une lunette. Super. La forge nous fait un superbe présent. De courte portée. À la vitesse réduite. Ah ça c'est une arme de main, je ne peux pas Ah si, je peux taper à l'épée. Ah non, ça me switch automatiquement sur l'autre arme. Ok. À chaque fois j'ai envie d'appuyer sur clic droit pour voir dans la lunette.
Ok, incroyable. J'utilise jamais mes grenades. Ça craint. Munitions sécurisées. Waouh, qu'est-ce que je fais? Je suis full dans les deux armes? Super. Oh là là, arrête d'appuyer sur clic droit pour viser, je t'en supplie. Allez-y les potes, hein. Allez au corps à corps, moi je vous couvre. Je dois recharger. Pouf, tu exploses. Toi aussi. Rechargement en cours. Prenez des dégâts lui, je suis pas sûr. Hein. Ils ont fait le tour, ils sont passés par où? Ils ont sauté? J'imagine qu'ils ont sauté. Je saute! Abattard. Arrête. Mais il y en a deux, il y en a plein. Au secours, à l'aide. Ils n'apprennent jamais. Hop, on lui a arraché le bras, on lui a arraché la tête. Bonne ambiance. J'engage un nouveau chargeur. Et moi, je me ravitaille, comme il dit. Qui me tire dessus? Ça va pas le faire. Oui, tout de suite. Oh non, il est mort. Ok, j'ai ma jauge de fureur qui est full. Bonne nouvelle. Je mets un nouveau chargeur. Vas-y Kairon, mets un nouveau chargeur. On est sauvés. On est des anges. Ouvrez les portes. Oui, monseigneur. Ouvrez les portes. Mais chef, vous avez dit que... Ouvrez ces foutues portes. Je suis full mune. Ça fait plaise. T'ouvres la porte ou pas? C'est quoi ça? Mettons une autre vague. On ne pourra pas les retenir. Je suis prêt. C'est de quel côté? Ah mais c'est de ce côté là, super. Faut attendre que ça refroidisse. Attention mon pote, je vais te tirer dessus. Me tire dessus, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire entre nous. J'ai plus de mune. Au secours, arrête de zoomer par pitié. Me ravitaille. Ils sont où les vilains? Ils sont là. J'arrive, Gadriel. Bravo, ils ont pas eu besoin de moi.
Il esquive bien, le salaud. Au secours. Arrête. Il va falloir utiliser. Non, c'est bon. Laisse les potes tranquilles, veux-tu? Ok. Il y en a un peu trop là, j'ai plus ma grosse arme. Au secours! Vite! Ok, ok. J'ai la situation sous contrôle. Allez, venez, on va les spawn kill. Il me tire dessus! Je sais pas viser. Ah, bâtard. Arrête de me tirer dessus, s'il te plaît. Je te le demande poliment. Concentrer les potes, hein. Quoi? Oh non! Rip. Courage, les petits potes. Je suis sûr qu'on a bientôt fini. Retenir les nuits jusqu'à l'ouverture des potes. On a réussi. Des potes. Des portes. Alors on fuit, c'est ça? Et laissez-moi passer. Au secours. J'arrive. Si c'est aussi long à se fermer qu'à s'ouvrir, on est pas fini. Hein. J'ai appuyé sur C? Non, j'ai appuyé sur X, c'est faux. Je mens. F. Ouais, j'ai un stimulant. J'appuie sur G. J'ai lancé une grenade. Yay! Ça les rend plus faciles à tuer. Croyez-moi, ils peuvent se montrer bien pires. J'ai hâte de voir ça, pas moi. Oh non, j'augmente le son de mon casque en m'étirant. Ça craint. Je vais me défoncer les oreilles. Oh, ça fait 1h35, j'ai l'impression que ça fait 3h qu'on joue. Pas sûr, on va faire le jeu en entier, hein. Pas sûr. Major Sarkana. J'écoute. Nous avons rejoint l'une de vos escouades. Merci, monseigneur. Je vais leur donner de nouveaux ordres. La voie est libre. La voie est libre. Un vrai massacre, on dirait. Une carabine. Eh ben, il s'en est passé des choses ici. J'interagis. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de loot, hein. L'exploration, ça a pas l'air d'être très récompensé. Une épée tronçonneuse, j'en ai déjà une. Tout droit ou à droite? Qu'est-ce qu'il y a par là? Des vilains. Où est-ce qu'ils vont? Paf!
Hop, ça dégage. Continuons. Oh là là, c'est violent. Allez, on saute, on se jette dans le bain. Waouh, trop stylé, c'est mon arme qui fait ça. C'est incroyable. Ah non, ça a pas l'air d'être mon arme. Je suis fort déçu. C'est quoi ce petit truc qui brille là? Qu'est-ce que c'est? Un couteau de combat, une arme corps à corps rapide parfaite pour les duels. J'imagine qu'on la prend pas pour rien. Parfaite pour les duels, on va sans doute avoir un duel. J'espère. Enfin, j'espère, est-ce que j'espère vraiment? Oh pardon. Waouh. Je sais pas si on lui fait des dégâts. Pas sûr. Comme je vois pas que c'est rouge. Je prends les munitions. Il est mort. Hop là, coup de schlasse dans ta gueule. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que je branle? Qu'est-ce que je branle vite? Pouaf. Hop, décapité. Pardon. Non mais c'est lui que je veux exécuter, pas l'autre double de débilos. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? J'ai appuyé sur E pour prendre les munitions, ça a fait une exécution, ça m'a surpris. Recharge. Ouais, on prend. Je l'utilise jamais, mais... Ravitaille. Chargement des munitions. Super. Interagissons. Attention. Bon, j'ai appuyé sur R. Oh là là. D'accord, ça a ouvert la porte. J'ai cru qu'il allait se passer autre chose, mais pas du tout. Ah, j'ai... j'ai mis un ping. Je m'en occupe. Je suis full.
Bon, après cette mission, on arrête, hein. Grox. Je vais prendre ça pour un compliment. Nous devons reprendre le contrôle de ces canons orbitaux. Mes blindés sont prêts pour le... Occupez-vous-en, capitaine. Oui, chef. Ah, je peux pas courir. Waouh, on a des tanks. J'ai l'impression d'être si lourd. Faites honneur à votre empereur. Avec plaisir, monseigneur. Mais j'ai changé ma tronçonneuse contre un petit couteau. Est-ce bien? J'aimais bien ma tronçonneuse. Je pensais qu'on allait avoir des duels. J'aurais dû récupérer ma tronçonneuse. J'étais bête. Appuyez sur quoi? Je tire partout, sauf sur les ennemis. Aïe. Pousse-toi, Gadriel. C'est le mien. C'est bon, ils ont réussi. Bravo à vous, les potes. Yes, on a notre jauge de fureur. Cool. Ouvrir les portes. Je veux bien ouvrir les portes. Venez là. Peut-être pas une bonne idée d'aller dans le tas, dis donc, Siméon. Ah oui, c'est vrai, j'ai l'infirmier dans 10 minutes. Très bien. J'ai une bande tardive d'ailleurs. Oui, c'est bon. On finit cette salve et puis on arrête là. Hein. J'avais complètement oublié. Heureusement que mon téléphone m'a donné l'alerte. Terrible. Ok, est-ce que j'ai le droit de quitter en pleine mission? Retourner à la barge, quitter. J'espère. Si on va recommencer la mission, ce serait terrible. Ok, bah, le devoir m'appelle, j'ai des contraintes. Oh non, OBS a crashé? Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai des choses à faire du coup. Enfin, quelqu'un vient chez moi pour m'injecter.